un viejo pintor con bigote, peinado con una boina azul, está sentado frente a su caballete. Le charme d'un accent du bout du monde et le talent au bout de la plume, la Fondation Facim présentait le 13 mars à Chambéry le troisième auteur accueilli dans le cadre de ses résidences d'écrivains. À 28 ans, cet auteur naissant, qui maîtrise parfaitement le français malgré des origines chiliennes et vénézuéliennes, a reçu en 2013 le prix du jeune écrivain français pour sa nouvelle Icar. Et pendant 3 mois, il sera donc savoyard en imprégnant son imaginaire par les paysages et les rencontres. Les résidences d'écrivains interviennent dans ce cadre de la visite de ces pays, de ces paysages, des habitants, par un écrivain qui va venir en résidence et qui va venir. Alors, c'est un jeune écrivain au début de sa carrière et qui va venir rencontrer à la fois les habitants des pays de Savoie, mais aussi les territoires, le paysage, la vie. Logé et nourri pendant 3 mois au château des Alus dans le parc des Bauges, l'artiste est ainsi mis dans des conditions de la création, une façon de soutenir les auteurs et la création littéraire. Merci d'être ce soir et, bueno, buvons du pisco et lisons de la littérature. Merci. L'idée est d'aboutir à un projet personnel, le premier roman, et voir alors si avec un peu de discipline et un peu d'effort, j'arrive à écrire aujourd'hui la graine des pages de demain. Alors, on verra ça. C'est... Quoi qu'il en soit, très content d'être ici à Chambéry. Baila en el marco, pero no entra en el cuarto. El pintor pone música, el capricho número 4 de Paganini. Bebe un sorbo de café. Et puis voilà, le temps va passer, on aura des rencontres également dans les librairies, dans les cafés littéraires, dans les bibliothèques, où je rencontrerai peut-être des lecteurs, des personnes qui s'intéressent à la littérature, des rencontres avec les lycées, des rencontres avec les collèges, enfin, ça va être une très très belle aventure, une très belle expérience. Et parmi ces rencontres au programme, nous aurons l'occasion de retrouver Miguel lors de sa visite aux collégiens de Châtelard, dans les Bauges. L'idée, c'est de faire un atelier d'écriture pendant une dizaine d'heures, d'apprendre aux enfants l'art du portrait en littérature, et puis dans un deuxième temps, d'illustrer en fait ce qu'ils auront écrit, les petits portraits qu'ils auront écrits, en faisant intervenir une photographe professionnelle qui va leur apprendre à faire des portraits et à illustrer du coup les portraits qu'eux-mêmes auront écrits. Et les missions de la Fondation Facim, c'est ça, c'est de faire venir la culture de qualité, et en l'occurrence la littérature contemporaine, sur les territoires ruraux. Donc, ouais, au Châtelard, au Collège des Bauges, on est complètement dans notre mission.